if you were right. But we can share a fire if you like. Live in the moment, just enjoy your life. Enjoy your life. Bonsoir Jean-Roch. Bonsoir Moustapha. Tu es venu avec tes danseuses que tu vas nous présenter? Ah écoute, elles sont formidables. C'est Dovilé et toutes ses amies. Et ton prénom? Your name? Dania. Dania. Luba. Roberta. Roberta. Amber. Amber. Sigita. Oh, j'aime bien ça. Ah, refais-le. On le refait. One more time. Sigita. Oh putain. Oh. Végéta quoi. Dovilé. Agnès? Dovilé. Dovilé. Alors, ce sont des... Elle atrasse. Ah. Vous, t'es toujours patron du VIP? Ouais, je m'occupe toujours des VIP rooms. Ouais. À Paris, à Saint-Tropez pendant l'été et à Cannes pendant le festival. Bon, maintenant, t'es chanteur, hein. Il y a ton album qui est juste ici, qui s'appelle ouais. Music Saved My Life. On regarde tout de suite un extrait du clip, ça s'appelle Name of Love. Last time I shed a tear was when my father died. But now he's good up in the sky, so I'ma make the song cry. I see them haters living at me, trying to indict my soul, trying to read me, trying to see what I know. But no, feel alive. I got no pain to share with you, alright. But we can share a fire if you like. Live in the moment, just enjoy your life. Enjoy your life. Celebrate in the name of love. Celebrate in the name of love. Bravo. Bravo, hein. Bravo. Alors, Jean-Roch, tu viens donc nous présenter cet album qui s'appelle Music Saved My Life, qui ouais. bat le record du monde des featuring. Ouais. Je te laisse le soin de nous balancer la liste. Ben, c'est un album avec plein d'artistes que vous adorez, qu'on adore. Il y a Busta Rhymes dedans, il y a Florida, il y a Pitbull, il y a Snoop, il y a Nayer, il y a Kate de Luna, il y a Fat Man Scoop, il y a Fat Joe, il y a Amri, enfin il y en a plein. Et c'est produit. C'est produit entre autres par Red One. Cet album est produit par Red One, qui est l'inventeur de Lady Gaga. Et j'ai beaucoup de chance de travailler avec lui et avec John Maman, oui, qui est un compositeur exceptionnel qui a fait un album magnifique. Dans cet album, justement, tu as fait un featuring avec Snoop Doggy Dogg, comme tu viens de le dire. Oui. Vous avez tourné un clip il n'y a pas très très longtemps à Saint-Tropez. C'est ça, l'été dernier. Et on a quelques images, on regarde ça. En avant-première. Yeah.
Hi, Carl. Hi, Jean-Roch. Nice to see you here. Carl, is it paradise? You were never told that Saint-Tropez is paradise. Hey, ça sera dans l'album. C'est Jean-Roch. Music saved my life. Il y a beaucoup de stars, tu les as toutes citées tout à l'heure. On va parler prochainement d'un featuring avec Barack Obama, tu confirmes? J'adore l'idée. Yes Weekend. On le fera au moment de Cannes. Ouais. Yes Weekend. Ouais, attends qu'il soit en galère, ça se trouve, il sera plus. Mais non, il sera bien, c'est un bon président. C'est quoi le featuring de tes rêves, en dehors de Barack Obama? Le featuring de mes rêves, ça serait, je crois, ça serait avec Bono, parce que pour la symbolique de la rockstar qu'il est avec U2, mais aussi pour tout ce qu'il fait dans le monde, le bienfaiteur qu'il est, il prend le parti, il pourrait se contenter d'être une rockstar, et le mec, il passe son temps à essayer d'aider les autres, voir comment il peut réduire la dette du tiers-monde, comment il peut aider tel pays en difficulté, ouais. Alors qu'il pourrait rester dans sa villa, au bord de sa piscine avec ses enfants. Le mec donne beaucoup d'énergie pour ça. Oui, c'est les enfoirés à lui tout seul, quoi. Ouais, celui, c'est les enfoirés, puissance. Déjà, les enfoirés font beaucoup. C'est long mais de lui... tuer, même, tellement non, il fait non, des non, trucs. Non, si on part des enfoirés. Dans le sens positif du terme, bien évidemment. Ouais, Coluche aurait pu dire ça. Si t'avais compris, t'aurais kiffé. Ouais. I said if you... Yeah. Il y a toujours le petit nain ou pas au VIP? Ouais, l'homme de petite taille, il est toujours. Ouais, le petit nain, ça veut rien dire en plus. T'sais, genre, il y a des grands nains. Le nain d'un mètre 80, il est toujours. Non, il y en a un autre. T'en as un nouveau? On en a un pris un plus grand. Tu les trouves où? Ben écoute, quand il y a un stock de nains chez toi, il y a des candidatures. D'accord. Il y a des candidatures quand quelqu'un a quelque chose à proposer, qu'il a un spectacle, qu'il a envie de s'exprimer, il a envie de venir dans les clubs, il a envie de venir sur scène. Oui. Ben je le rencontre et puis si le feeling est bon, pourquoi pas. D'accord. Et c'est la meilleure façon de savoir si tes singles vont marcher. Est-ce que tu les passes une première fois en boîte de nuit, justement, toujours, voir comment ça réagit? Toujours. Avec mes DJ Lo, dans les VIP rooms et dans les autres clubs, quand je fais des dates, quand je vais performer dans d'autres clubs, on teste toujours les titres sans dire c'est ma prochaine prod ou ça fait partie de l'album. On met le titre et souvent la réaction vient du public féminin parce que c'est la sensibilité, elle est là. Et puis les garçons sont déjà toujours plus en retrait. Et puis si au bout d'un moment même les garçons s'en mêlent, c'est que on n'est pas loin de faire un truc sympa. Et c'est ce qui est arrivé pour ses premiers singles, par exemple. Il y a eu My Love Is Over qui a cartonné. Après, on a eu Can You Feel It qui a été numéro 1 dans 9 pays, qui était ma première rencontre. Ouais. Et puis après, il y a eu cet été. Dang, je me rappelle, ça c'était. Non, c'est Christophe Maé, ça n'a rien à voir. Il y a eu I'm Alright. Ça serait bien, Christophe Maé. J'adore Christophe Maé. Et pourquoi pas? Parce que tu chantes avec des Américains, avec un Français peut-être? Parce que c'est un projet qui était fait. Qui est américain, par... c'est pour non, le monde. Non, c'est un projet, mais on sait jamais, il faut pas dire Fontaine, je boirai pas ton eau. C'est vrai. Faut jamais dire femme Fontaine, je ne boirai jamais. Et... Oui, j'ai le droit de parler de mes soirées. Excusez-moi. Comment t'arrives à gérer ton emploi du temps entre tes trois passions, la musique, les boîtes de nuit, les UV? Comment t'arrives à gérer? Alors, le plus dur, c'est de faire de la musique pendant que tu fais un UV et que tu es en réunion. Et tout ça en boîte de nuit. Oui. Donc ça fait beaucoup de paramètres. Parce que t'es de plus en plus bronzé, t'as pas peur de plus pouvoir rentrer dans ta boîte bientôt? Regarde. C'est qu'une vanne. Attends. Alors, je précise, t'as même pas besoin de te défendre. C'est qu'une vanne, c'est vraiment pour rigoler. Parce que dès que je suis arrivé à Paris, au tout début, c'est une des seules boîtes où on m'a laissé rentrer. Tu vois, donc... Il laisse rentrer tout le monde. Il n'y a pas qu'en France que t'es une star, en Asie aussi. Ça se passe bien en Asie. Ça se passe plus que bien. Ouais. J'ai vu que tu avais chanté il n'y a pas longtemps à Shanghai. Oui, j'ai fait le Nouvel An à Shanghai. Une scène incroyable. Pour le truc qui est assez drôle, c'est qu'ils m'ont vu sur une scène en train de performer. Ouais. Le gouvernement chinois, ils m'ont engagé pour venir à Shanghai. Je n'y avais jamais été. C'était une belle expérience, déjà la rencontre de la ville, des gens, l'énergie. Mais surtout, on a performé dans un stade qui était à bloc complet le 31. Et c'était retransmis devant 100 millions de téléspectateurs. Waouh! Et là... 100 millions! 100 là, millions de téléspectateurs! Bon, est-ce que tu me racontes, c'est vrai ou c'est du mytho? Ah, c'est une vraie histoire. D'accord. Eh ben, on va tester un petit truc tous ensemble. Vas-y. Ça s'appelle le mytho pas mytho, justement. C'est parti. On se concentre, c'est des questions toutes bêtes, il faut répondre rapidement et de façon intelligente. Un fan australien de la marque Lacoste a fait coudre sur son polo un vrai bébé crocodile pour avoir un polo plus vrai que nature. Mytho, pas mytho? Mytho.
Donc pour toi, c'est impossible de... C'est un mytho. Crois pas. Non, c'est pas possible. C'est un mytho, c'est sûr. Mytho, il est bon. Ok. On continue avec la prochaine question. Mytho, pas mytho ou pas, d'ailleurs. Mytho. 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 Ah, putain, toi. T'as de la chance qu'il y a des lois en France. On continue. I said you're beautiful. That's it. Ah, le regard, c'est universel, tu peux rien faire, ça. Alors, une trentenaire américaine de 340 kilos veut doubler son poids actuel pour devenir la femme la plus grosse du monde. Elle fait déjà 340 kilos. Est-ce que tu penses que c'est mytho, pas mytho? Moi, je pense que c'est dangereux et que c'est pas possible. Pas mytho? Bah, non, c'est mytho. Eh ben non, c'est pas mytho. Wow. C'est dangereux pour sa santé, pour le coup. Hein. C'est un vrai truc, elle veut devenir la femme la plus grosse du monde. Elle s'est mariée avec un chef qui a promis de lui faire des spaghettis bolognaises tous les jours. C'est son choix, on respecte. Alors, un village italien a émis une ordonnance interdisant à ses concitoyens de mourir sur ses terres. C'est-à-dire que t'as pas le droit de mourir. Il y a une loi, ils disent, mourrez pas, sinon vous serez punis. Ça, c'est pas mytho. Ben, comment on punit des gens s'ils meurent? Ben, ils doivent leur dire, quand vous êtes trop âgés, il faut pas mourir sur cette terre, parce que, Genre retenez-vous comme ça, quand non, vous pensez... Allez un peu plus loin. Eh ben, c'est une très bonne réponse. Voilà. Allez un peu plus loin. C'est un village... Il n'y a plus de place dans le cimetière. Il y a un cimetière à côté, il n'y a plus de place, tout simplement. Donc, on n'a pas le droit de mourir dans ce village. On finit avec cette dernière info. En Inde, la vache est un animal sacré, à tel point qu'on leur a ouvert un spa. Elles peuvent s'y faire masser, laver, faire un brushing et bénéficier de tous les soins à volonté et gratuitement. Un spa pour les vaches. Tu es au courant qu'en Inde, c'est un animal sacré? Oui, je sais que c'est un animal sacré. Par exemple, tu es en voiture en Inde, s'il y a une vache qui traverse. Tu t'arrêtes, tout le monde s'arrête. Tout. Ouais. La ville est paralysée. C'est ça. Écoute, allez, c'est pas mytho. Pas mytho? Non. Mytho, bien évidemment. Wow. Mais quand même, on peut l'applaudir. J'ai la moyenne. Bon, ta vraie passion maintenant, c'est la chanson. Oui, ça l'est depuis longtemps. Ça l'est depuis longtemps, oui. Ouais. Mais on te connaissait plus en tant que patron de boîte. Là, tu t'es lancé à fond, ça marche plutôt très bien pour toi. Ouais, c'est cool. Et je voudrais savoir, ça donne quoi, moi, Jean-Roch, qui chante un petit truc a cappella? On refait un truc très rapide, c'est la mode. Je me mets de dos, tu prends le micro, et si c'est vraiment chambé, je me retourne. Tourne-toi. Bah attends, qu'est-ce que t'es en train de préparer? Tourne-toi. Ok. Celebrating the name of love, love, love. Celebrating the name of love, love, love. Celebrating the name of love, love, love. Celebrating the name of love. Hey! Bravo! Ah voilà! L'info n'attend pas, tout de suite, c'est le journal, ça vient de tomber. Cinéma avec sa queue de 8 mètres de long, c'est enfin qu'aujourd'hui le vrai marsupilami, c'est Rocco Siffredi. Carnet rose après son mariage, Ricky Martin s'appelle toujours Ricky Martin, il voulait garder son nom de jeune fille. Musique, si vous voulez croiser tous les anciens participants de l'Eurovision, c'est très simple. Prenez le métro. Beauté, quand Emmanuelle Béart veut se faire un bain de bouche, elle utilise du canard WC. Et enfin, littérature. J'ai sorti un album et depuis, plus de nouvelles. Voilà, je viens de vous lire l'intégralité de l'autobiographie de Camaro. Ça va, on l'embrasse. Aujourd'hui, tu n'es plus réellement dans ton rôle de patron de boîte, tu es un musicien à part entière. Ça s'appelle Music Save My Life. Achetez cet album, je le rappelle. Mais moi... Moi, pour une fois, j'aimerais que tu te glisses dans la peau d'un client pour qu'on découvre ensemble les phrases à ne pas dire si on veut rentrer en boîte. C'est parti. Ben quoi, on est 8 mecs. 8 mecs en basket. On est des rebeux et on boit pas d'alcool, quoi. Et tu vas être très déçu parce que j'ai une bouteille à l'intérieur. Dans mon blouson. Non, pas ça, les gars. Et confidence pour confidence. C'est plus facile de rentrer dans ta soeur que dans ta boîte. Hein. Je déteste tout ce que j'ai dit. Qu'on soit bien clair. Il y a toute la France qui va me dire que je suis un bouffon. Et tu sais quoi? Appelle Jean-Roch. Tu vas voir quand tu vas me voir. Quand il va être content.
Je te dis, Jean-Roch, il me kiffe. Appelle-le, fais-le venir. C'est moi qui ai fait son album, Music Save My Life. J'ai écrit tous les textes, j'ai tout fait pour lui. Alors, il s'appelle Jean-Roch. Music Save My Life. On a reçu aussi. Vous pouvez l'acheter. C'est www.com, vous pouvez acheter aussi l'album. Conception. Merci le 22 mai. Et puis voilà, on s'est bien amusé. Batman vous dit au revoir, on se retrouve la semaine prochaine. Même chaîne. Même heure, je vous embrasse, ciao.